passe autour de nous. Côté cour et côté jardin. Mitouba, mi-po. Blessez votre sensibilité, ils vont rentrer dans votre intimité. En déballant ce qu'on vit tous les jours, dans des comédies bien assaisonnées. Mitouba, mi-po, donga, forme la toute des malheurs. Tout déballé, ils débattent tous, passent autour de nous, côté cour et côté jardin. Mitouba, mi-pop, donga, forme la toute des valeurs. Anas, caro, pétrole, forme la toute des valeurs. Sans blesser votre sensibilité. Ils vont rentrer dans votre intimité. En déballant ce qu'on vit tous les jours, dans des comédies bien assaisonnées. Mitouba, mi-po. D'ailleurs, je voudrais qu'on fasse déjà un enfant, toi et moi. J'ai besoin d'un enfant de toi. Un enfant? Oui. Monsieur, franchement, cela me fait vraiment peur. Attends, tu as peur de quoi? Moi, je t'aime. Mais est-ce que toi, tu ne m'aimes pas? Bien sûr que je vous aime. Alors? Monsieur, excusez-moi un instant, j'ai oublié la mamette au feu. Attends, attends, Stella, attends une minute. Tu sais, j'adore tes fesses quand tu marches. Avant d'aller regarder ta mamite, un petit bisou quand même, vas-y. Ah, n'aie pas honte, un bisou. Mitouba. Oui. C'est sorti? Non, monsieur, il y en a encore. C'est sorti maintenant? Oui, monsieur, c'est vrai. Hé, hey, mon amour, tu es là? Ah, mon téléphone. Ça sonne même pas où? Hé, hey, mon... Stella. Regarde. Maman, il est quelle heure comme ça et Paolo n'est pas encore rentré de l'école? Non, il n'est pas encore l'heure de retour pour lui. Parce que j'ai vu hein, les enfants du quartier rentrer de l'école, mais lui n'était pas parmi eux. Il faut qu'on aille le chercher. Sa maîtresse va le ramener. J'ai confié sa garde à sa maîtresse, comme j'étais celui-ci. Elle vient le chercher le matin et le ramène le soir après le cours. Ah ouais, ça m'a eu peur que ce soit égaré. Oh. Non. Je motive sa maîtresse pour qu'elle veille sur lui. Merci. Vraiment, tu sais que cet enfant-là, c'est tout pour moi, n'est-ce pas? C'est mon trésor. Même comme son père l'a abandonné tôt. Mais c'est tout pour moi. Qu'est-ce que tu faisais avec mon mari? Quelque chose est entré dans mon œil, madame. Je lui ai demandé de m'aider à l'enlever. Tu es sûre que quelque chose est entré dans ton œil, Stella? Oui, madame, un insecte. Ah. Et si l'insecte entre dans ton œil, c'est mon mari qui doit te l'enlever? Madame, il n'y avait que lui à la maison. En fait, je te soupçonne pas avec mon mari. Hein? Mais il faut faire très attention à lui. Tu me comprends? Je vous comprends bien, madame.
Le voyou de Big Mob était même ici plusieurs fois pour venir prendre l'enfant. Prendre l'enfant de qui? Il est fou. Maman, il veut prendre mon enfant pour l'amener où? Donc c'est maintenant alors qu'il se rappelle qu'il a un enfant. Hé, hey, depuis que tu es là, vous vous êtes déjà vu? Non, on ne s'est pas nous vu. Il ne faut pas qu'il sache que tu es là. Maman, que si c'est que je suis de retour, il va faire quoi? Il va faire quoi? Est-ce que je lui dois quelque chose? Je sens qu'il a besoin de son enfant. Il va vouloir te flatter pour que tu lui donnes l'enfant. Qu'il ne rêve même pas. Qu'il ne rêve même pas. Tant que moi, cela, je vis. Il va attendre après. Quand l'enfant va grandir, il va aller le chercher. Franchement, même pour maintenant, là, il se trompe. Stella. Je suis très gentille, n'est-ce pas? Et très douce. Hein? Mais je sais protéger ce qui m'appartient. D'accord? Alors, si tu tournes autour de mon mari, on ne discutera plus de façon calme et l'ambiance sera plus pareille. Parce que là, Stella, tu auras de mes nouvelles. Je suis d'accord, on est d'accord là-dessus? Je ne tourne pas autour de lui, madame. Mon mari aime les femmes. Mais gare à toi si tu poses un petit regard admiratif sur mon mari. Parce que là, Stella, tu vas avoir de mes nouvelles. Tu es venue ici pour travailler. Tu comprends ça? Tu n'es pas venu ici pour mon mari. Donc fais ton travail. Le reste, je ne veux même pas avoir un petit soupçon. Parce que si ça arrive à ce niveau, Stella, la gentillesse là va se terminer là. Tu comprends ce que je dis là? Je comprends bien, madame. Ok. Puisqu'on est d'accord sur le principe, tu peux aller travailler. Mais mon amour, ça fait longtemps que tu n'es pas venu chez nous. C'est toujours moi qui viens chez toi. Qu'est-ce qu'il y a? Toi-même, tu sais que on ne peut rien causer chez nous. Comment on ne peut rien causer chez nous? Qu'est-ce qui nous empêche de causer chez nous? Ton père a un regard très furieux. Et en plus, ta grande soeur là, je pense qu'elle ne m'aime pas. Oh. Comment tu peux dire ça? Si mes parents te regardent avec méfiance, c'est simplement parce qu'ils ne te connaissent pas encore très bien. Ah, le lit est déjà là. Ah. Oh mon amour Lily, tu as demandé à me voir bébé, je suis là. Je veux qu'on cause. C'est très important. Tu sais quoi, je suis très content quand tu tiens à causer avec moi. C'est une très grande preuve d'amour, ça prouve que tu m'aimes, Lily. J'ai des sérieux problèmes. Oh, je t'ai toujours dit, hein? Quand tu es avec moi, évite d'être Christ. Dis-moi tes problèmes, je vais les résoudre. Je suis enceinte. Oh là là! Paul Codios! Mais Lily, comment ton mari il est méchant comme ça? Il est méchant comme ça, pourquoi? Il te met l'enfant vite, vite comme ça parce qu'il veut rompre notre relation. Je dis, hein, même avec ta grossesse, là, je veux continuer à t'aimer. Je ne peux pas me séparer de toi. Je veux même l'aider à fortifier cet enfant. Yo, c'est pas mon mari le père de mon enfant, hein. C'est toi. Toi? Qui? Moi? Tu es malade? Toi aussi tu parles comme si ça faisait un siècle que je ne suis pas venu chez vous. Ça ne fait que 2 mois. Mais 2 mois c'est beaucoup mon ange. Il faut être régulier chez nous pour que mes gens s'habituent à toi. Ah, j'ai compris. J'ai compris, c'est passé non. Ma dulcinée, ma rose sans épines, tu es très jolie. Oh, merci pour le compliment. Non, attends. Ça c'est pas un compliment, tu comprends un peu. J'apprécie à juste valeur. Tu es très, très, très belle. Je suis tellement amoureux de toi. Toi aussi, tu es mignon. Tu sais, je t'adore. Tu es mon prince charmant. Mais tu me dis, attends, tu me dis tout le temps que tu m'aimes. Mais je ne reçois pas intégralement la preuve de cet amour. Qu'est-ce
qu'est-ce qu'ils font en plus pour te prouver que je t'adore? Mais... Quand même, essaie de comprendre mon problème, non? Moi, je dis que j'ai envie de faire... Je vais te raconter combien de fois que je meurs d'envie de faire l'amour avec toi. Oh, on va faire l'amour. On va même manger l'amour. Ah bon? Oh, attends, là, on y va tout de suite. Ah non, non, bébé. Pas maintenant. Comment? On va se marier d'abord avant de faire l'amour. Tu sais que mon oncle est pasteur. C'est strictement interdit. C'est interdit comment? Hein? Même dans la Bible, c'est écrit qu'allez, multipliez-vous. Toi, ton oncle est pasteur, il voit seulement le côté qu'on ne peut pas faire. Mais pas de cette façon-là. Hein? Il faut s'unir devant Dieu et les hommes d'abord. Oui, bébé. Si tu es pressé, dépêche-toi à me demander la main. Tu envoies tes parents chez nous. Mon ange, te fâche pas. Tu sais très bien que j'ai raison. Viens. Coucou. Je t'en prie, ne te fâche pas, s'il te plaît. Tu vas me faire pleurer. Moi, je te donne s'il te plaît. S'il te plaît, bébé. Quand trop, c'est trop. Un petit truc comme ça. Essaye de me comprendre. Oh, oh, c'est la dernière fois, madame. Je t'interdis de me dire une telle chose, que ce soit la dernière fois. Yo, mon père, comment tu peux encore me dire les choses comme ça, non? En tout cas, mon mari est en train de me chasser. Moi, je vais venir rester avec toi, yo. Hé, hey, mouf, tu es malade. Rester avec qui, avec moi? On t'a dit que j'ai besoin d'une femme. Yo, mon père, pourquoi toi tu dis encore les choses comme ça? Madame, arrête. Qui est ton père? Tu es marié, tu pars, tu portes l'enfant, tu viens dire que c'est mon enfant. Je t'avais dit que j'ai besoin d'un enfant. En tout cas, madame, comme tu as commencé ainsi, je te vois venir. Tu arrêtes tout contact avec moi. Tout, même m'appeler, ne m'appelle plus. Ignore que tu as un jour connu Chocolat dans ta vie. Va te chercher ailleurs. Adieu, Lily. Adieu. Adieu. Mon amour, ma mère, la seule femme que Dieu m'a donnée sur la planète. Tu sais, mon amour, moi je n'aime pas rester longtemps loin de toi. Et mon souffle de vie. Pardon, arrête tes choses là, assieds-toi, je veux te poser. Attends, pourquoi tu m'empêches d'exprimer le fond de mon cœur? Hein? Monsieur, assieds-toi, j'ai à te dire. Attends. Qu'est-ce que tu as de si important à me dire au point de parler avec tant d'emphase? Bien, comme tu as dit, tout ce que j'avais à te dire, c'est de ne pas gâcher la vie de la bonne. Mais? Pardon. Gâcher sa vie comment? Mintumba, tes petites histoires que tu fais là, je te dis seulement que Stella est une fille douce. Et travailleuse. C'est une fille qui est en train de préparer son avenir. Pardon, ne gâche pas son avenir. Je ne veux pas. Laisse la fille d'autrui en dehors de toutes tes bêtises là. Attends. Et t'as dit que je veux gâcher son avenir. Je te connais très très bien. Comme tu aimes les femmes là, tu ne peux pas voir une jupe passer. Et te dis donc que fais toutes tes histoires là. Mais laisse l'enfant d'autrui en dehors de tout ça. Mais attends, dis-moi. Et t'as dit que je lui ai fait des avances. Non, elle m'a pas dit. Tout le monde, il te connaît. Je sais que là où tu es là, tu as des idées derrière la tête. Mais pardon, laisse encore ça au niveau où c'est. Parce que je ne veux même pas que ça évolue d'un pouce. Garde ça là où c'est bien, mon frère. Là. Je ne veux pas. Laisse la femme d'autrui. On voit la santé de qui? Ah, quelle question. À notre santé, bien sûr. Mais surtout à celle de notre invité d'honneur. Je ne savais pas que c'était moi l'invité d'honneur ici. C'est normal. C'est à cause de toi qu'on est réunis ici aussi. Ah bon? Bienvenue.
Alors, ma chérie, moi, c'est Dolago. Dolago, c'est moi. Et toi, comment t'appelles? Curieux. Comment tu ne connais pas le nom de ton invité d'honneur? Oh. C'est toi qui as l'honneur, même si je ne connais pas ton nom. En fait, je m'appelle Kiki. Ah. Merci. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir de mes côtés en ce moment. J'étais toujours admiré de tout le monde. Mais je ne savais pas que j'avais un admirateur caché par ici. Je te connais. Ouais, Mitouba, tu veux me souiller jusqu'où? Attends, attends, attends quand même. Merde! Mais vous me prenez même pour qui dans cette maison? Vous me soupçonnez avec une borne. Mitouba avec une borne. Mais quand même, ne me dévalorisez pas jusqu'à ce niveau. Mitouba est borne. Vraiment. Mais non, 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 ça c'est dégueulasse. C'est me rabaisser, c'est me réduire à rien. Tu peux camoufler quoi quand tu dis ça? Mitouba est une borne. Une borne n'est pas une femme. Elle n'est pas une femme. Bon, d'accord. Tu sais, comme vous passez tout votre temps à me soupçonner dans cette maison, je vais finalement prendre la bonne. Ah oui, je vais même l'épouser. Comme ça, ce ne sera plus le simple soupçon. Tu comprends, ouais. Non? Ce sera la vérité. Ouais, comment? Vous me prenez pour qui, là? Ouais, mon chéri, mon souci n'est plus à ce niveau-là, papa. Tu peux épouser une troisième femme, une quatrième, même une dixième. Ce n'est pas mon problème, hein. Mon problème avec toi. C'est une seule chose, que tu fasses tes histoires là, épouse même jusqu'à la dixième, mais la bonne, pardon, laisse-la en paix, laisse-la en dehors de tes histoires que tu fais là, pardon. Mais tu vois, si tu as des oreilles, pardon, pour une fois, c'est que je ne suis rien ici là, je ne suis rien pour toi, mais tu peux m'écouter, non, pardon, laisse la bonne. L'enfant d'autrui est jeune, elle est venue ici chercher son argent, elle n'est pas venue te chercher, je dis qu'elle n'est pas venue te chercher, je répète. Je travaille chez toi, que tu payes. Tu te mets à... Je gâche pas la vie de l'enfant. C'est tout ce que j'avais à te dire. N'est pas moi et toi. Si tu as des oreilles pour écouter pour une fois, et c'est que je ne suis rien ici. Mon moi écoute ça. Pardon. Vous bavardez pour rien. Quelqu'un n'a même pas l'intention sur quelque chose. Vous... Comment? Vous me laissez... Laissez-moi. Comment? Tu ronronnes dans mes oreilles? Laissez cela, laissez cela. Je fais quoi avec elle? Calme et gentil. Non. J'aurais pu, mais. Maintenant que je vais mettre assez longtemps pour avoir des enfants, ça va pas me mettre en bonne position auprès de Mitouba. Depuis j'ai commencé la bataille, il faut que je l'amène juste au bout. Mado a déjà un enfant. Elle est en très bonne posture par rapport à moi. Si je rebousse chemin, non seulement elle va me dominer, je serai très mal vue par Mitouba. Et il pourrait même me chasser de sa maison, vu qu'il aime tellement les enfants. Bon, il ne me reste plus qu'une chose à faire, continuer à lutter. Je dois nous trouver un moyen de gagner sa confiance et d'attirer son attention uniquement sur moi et sur personne d'autre. Tout va à moi et à personne d'autre. Ah, je suis même sûr que je ne suis pas ton seul admirateur. Il doit en avoir plusieurs. Parce que toi, tu es une très belle fille, je te le jure. Merci, c'est gentil. Est-ce que je marche avec n'importe qui? Si tu me vois marcher avec une fille, c'est qu'elle est classe. Pierrette, on t'a alors donné l'occasion de te jeter les fleurs. Quoi? Je ne me jette pas les fleurs. Je suis une belle fille et toutes mes copines sont belles. Ah, c'est vrai, hein?
Alors, ma chérie, je voudrais te dire quelque chose. C'est que je suis amoureux de toi. Très amoureux d'ailleurs. Il faut avouer que tu es direct, hein. Ah oui. Moi, j'appelle le chien par son nom. Et il fallait que je te le dise. Tu es toujours ici à Douala, mon frère. Je suis l'habit. Tu fais comment alors? Mais je dis un mot là. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es malade. Vic, laisse-moi comme ça. Ce manga. Manga me rend la vie difficile, Bic. Difficile, tu ne peux pas imaginer. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait, non? Tu imagines, ça fait 2 ans que je suis avec Angara. Mais on n'a jamais bien fait un refus de faire les rapports sexuels. Merde! 2 ans avec un garçon comme bien. Mais tu es même un homme, mon frère. Elle vient avec le modèle qu'elle est d'une famille chrétienne. De chez eux, on prône l'abstinence. Qu'on ne doit faire les rapports sexuels que dans le mariage. Ah, meuf! Elle, la seule fille ici à Douala, zappe les conneries, tu te tapes une autre petite, mon frère. Un jeune comme toi. Tu ne comprends pas maintenant que c'est quand tu seras vieux que tu vas me dire, mon frère. Il faut barrer les conneries. Moi, je veux bien la zapper, tu vois. Le problème, c'est que je l'aime bien. Et surtout, elle aussi, elle m'aime bien. C'est là où ça devient compliqué. Bon, vraiment, là, Mola, ton problème là est un peu complexe. Hein. Tu comprends un peu. Vraiment, il faut qu'elle te dise la vérité. Tu comprends, non? Si tu aimes vraiment ta mère et qu'elle aussi elle t'aime, il faut supporter. Tu comprends, non, mon frère? Parce qu'on ne doit pas tomber amoureux d'une femme simplement parce qu'on veut faire l'amour avec elle. Tu me suis, Mola. Parce qu'il ne faut pas que tu tombes dans le jar. Piège comme moi. Je ne vais pas te retrouver dans le même genre de situation comme moi. Parce que je suis parti épouser une femme, pas parce que je l'aimais, mais parce qu'elle avait un peu de moi. Mais aujourd'hui, tu vois, je suis devenu prisonnier. Hein? Je fais tout et tout pour me séparer d'elle, il n'y a pas moyen. Donc il faut vraiment encore supporter mon frère, si tu l'aimes vraiment. Oh là là, Paul Codios. Mais Lily, comment ton mari est méchant comme ça? Il est méchant comme ça, pourquoi? Il te met l'enfant vite, vite comme ça parce qu'il veut rompre notre relation. Je dis, hein, même avec ta grossesse là, je veux continuer à t'aimer. Je ne peux pas me séparer de toi. Je veux même l'aider à fortifier cet enfant. Yo, c'est pas mon mari le père de mon enfant, hein. C'est toi. Toi? Qui? Moi? Tu es malade? L'Angala, je vois que ça ne va même pas un peu dans sa tête. Elle ose dire que qu'elle porte mon enfant. Mais je lui ai demandé un enfant. Que ce que j'entends souvent aux autres là, que ça ne m'arrive même pas. Même pas. Qu'elle ne m'apporte même pas sa malchance là. Pourquoi? Sinon, comment va Clarisse? Voilà, vraiment, je suis venu te voir pour qu'on mette notre plan en exécution. Tu comprends, mon frère? Il faut que tu dragues Manga. Je vais la surprendre dans tes bras. Tu comprends, non, gars? Comme ça, ça va me permettre de me séparer d'elle, de demander le divorce. Gars, il faut que je me sépare de l'Angala, mon frère, s'il te plaît. J'ai essayé d'analyser cette situation et je trouve ça un peu difficile. Je te dis. Voilà. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible, gars. Tu sais que tu es un bon parolier. Quand tu parles au gars, elle y a une fois.
que quand tu parles à une femme, tu comprends un peu, non? C'est-à-dire, d'homme directement. Quand je veux que tu m'engoubines la cala, s'il te plaît, embrouille son cerveau, mon frère. Comme ça, là, tu calcules le moment où elle sera prête à tomber dans tes bras, comme ça, la tâche débarque. Je veux me séparer de la cala, mon frère. S'il te plaît, aide-moi. Fais tout bas, toi, gars. Tout ce que je veux, c'est surprendre la femme là dans tes bras. Tu comprends, non? Même si ça va me coûter n'importe quoi, je vais te donner, s'il te plaît, mon frère. S'il te plaît, embobine-moi la gala. Ils sont là pour tout déballer. Ils débattent tous, passent autour de nous. Côté cour et côté jardin. Mi tout bas, mi haut. Ton gars forme la troupe des malins. Anas, Caro. Tantôt forme la troupe des malins. Sans blesser votre sensibilité, ils vont rentrer dans votre intimité. En déballant ce qu'on vit tous les jours, dans des comédies bien assaisonnées. Mi tout bas, mi haut, ton gars forme la toute des malheurs. Anas, pétrole, tantôt forme la toute des malheurs. Ils sont là pour tout déballer. Débat tous passe autour de nous, côté cour et côté jardin, mi tout bas.